Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Mikiok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la partie 2 du tuto VFX. J'espère que ce petit tuto vous plaît et qu'il vous aidera grandement pour faire votre propre intro, peut-être si vous n'avez pas envie de demander à quelqu'un de la faire ou de payer. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je vous apprendrai peut-être à faire autre chose. Toujours en rapport avec un intro, hein, mais par exemple des effecteurs, des trucs comme ça. Plus en détail. Mais bon, pour l'instant, on va pas s'occuper de ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 qui va se passer uniquement sur After Effects. Alors, il y en a qui utilisent Sony Vegas aussi, mais moi, je me sers que d'After Effects parce que je n'ai pas Sony Vegas. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait le rendu de Cinema 4D. Donc je vais tout de suite vous montrer qu'est-ce que ça rendait. Donc je mets la résolution en un quart, hein, pour pas laguer, pour que ça aille plus rapidement. Et au pire, si ça prend vraiment du temps, je ferai des petites coupures ou accélérer. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc voilà. Donc sur Cinema 4D, on avait fait cette petite animation là. Très très simple, avec des petits splines qui tournent, vraiment tranquille, hein. Mais tout va se passer sur After Effects. Donc déjà on avait moi j'avais déjà créé la musique. Donc si vous n'avez pas encore signé votre musique, c'est le moment de le faire. J'avais déjà fait. Hop, donc voilà, donc on va mettre notre musique. Et je vais juste... Alors attendez, je vais baisser le ton. Voilà. Donc voilà, donc vous avez entendu la musique. On est parti pour sync tout ça. Alors premièrement, moi je mets ici résolution en un quart aussi pour ne pas laguer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer... le fond. Donc on va pas créer une lumière, non, on va créer un solide noir qu'on va appeler smoke. Donc voilà, c'est un peu cramé, vous savez ce qu'on va faire. Donc il vous avant toute chose, je précise, pour ce tutoriel il vous faudra trapode forme, éventuellement la gamme Saphir, enfin essentiellement S-Shake qui se trouve ici. Voilà, le reste on va pas trop s'en servir. Donc on est parti pour la smoke. Donc hop, ici base form, vous mettez 2000 partout. Voilà, attendez, on va quand même se mettre en full parce que sinon on voit pas bien. Bon voilà, on les voit pas dans tous les cas. Vous pouvez laisser 70-70. Donc ensuite on va aller dans particules. On va mettre cloudlet feather, vous allez mettre à 100. Ensuite dans size random 100 et dans opacity random 100 aussi. La couleur, on va mettre un petit peu grisé, que ça soit un peu plus réaliste. Et dans la size, alors l'opacity vous la mettez directement à 2 d'abord, à 2 ou 1, on va la mettre à 1 nous pour l'instant. La size on va la mettre à 50 et on ne voit rien. Donc on va mettre la size à 20 et l'opacité à 2. Voilà, bon, ok, on voit rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Dispersion Twist, on va mettre Disperse 500. Et dans World Transform, si vous voyez rien, vous mettez ça aussi à 500 ou à 200. Et moi c'est bizarre parce qu'on ne voit rien du tout. Pourquoi on ne voit rien? Je mets à 50 ou quelque chose. Voilà, bon, on va mettre à 50. On va hésiter en fait de mettre du gris parce que le gris on voit vraiment rien. Donc on va mettre du bling. Voilà, là vous voyez, on voit mieux déjà. Donc en fait on va le mettre à 30, c'est bien 30. Ouais. Voilà, bon, c'est une smoke comme une autre. Après bien sûr, ce sera mieux fait, enfin ça rendra beaucoup mieux avec la CC, la color correction. Donc voilà, donc on a fini notre petit smoke. On va recréer un solide qui s'appelle particule.
Moi j'ai mal écrit, c'est pas grave. Hop, vous le mettez au-dessus de la smoke et vous reprenez forme. Donc ça va être à peu près la même chose, hein. 2000 pour la base form. Super accent anglais de ouf, malade mental. On va directement world form, on va mettre à 500 aussi. Voilà. Et là on est parti dans particules, on va mettre glossphère. Ça on va laisser à 50. Taille on va mettre à 3. Cool 3. Hop. On va mettre ça à 100. Opacité on va laisser à 100 aussi. Ça on va mettre à 100. Et on va mettre notre couleur. Donc en l'occurrence c'est du violet. Violet que je vais assombrir un petit peu. Non, je vais laisser normal en fait. Voilà. Et aussi dispersion twist. Alors là vous choisissez soit vous voulez faire des particules dispersées. Alors on va aussi si vous voulez faire des particules dispersées comme ça, je vous conseille tout de suite de réduire le nombre de particules dans particules NY et particules NZ. Oups. Donc 20 et 20 c'est bien, il n'y en a pas trop. Bon après vous voyez vos settings, hein. Mais personnellement nous on va pas faire comme ça, on va pas, non, 70. On va pas faire comme ça, on va mettre le disperse juste à 10. Non, on va mettre le disperse même à 2. Et on va aller dans twist cette fois et on va mettre un petit twist. On va mettre un twist à 2. Tu vois, 1 tout simplement. Faudrait qu'on voit sur la cam ce que ça rend. Ouais, un twist à 1, ça rend bien. Twist à 1. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ceci. On va le mettre à 7. On va réduire un peu le nombre. On va mettre 50-50. Voilà. Également, ce qu'on va faire tout de suite. Non, pas besoin de bouger la timeline. Vous allez aussi dans sphérique. Non, pardon. Fractal Field. Et on va mettre Flow Loop ici. Et on va faire Affect Opacity. On va le mettre à 14. Voilà. Affect size, on peut le mettre très bas. Et par exemple à 10. Voilà, affect size c'est bien. Et affect opacity, on va le mettre un peu plus haut à 3. Voilà. Donc vous allez voir que ça va. On peut mettre un petit display si vous voulez. Que ça va. Attendez, je vais vous faire un pré-rendu. Vous allez voir que ça va faire un petit effet très sympa au niveau des particules. Alors là vous allez me dire ouais je vois pas bien et tout, qualité pourrie. Vous verrez par vous même hein, je suis désolé. Mais ça tient pas trop la route. Bizarre, on le voit pas trop. Ouais, on le voit pas assez en fait. Donc on va juste augmenter l'affect opacity, on va le mettre dans les 50. Très bien, et affect size en fait on va le laisser à 2. Pas beaucoup. Juste histoire que. Ah. Hop, juste histoire que ce soit pas trop. Voilà. Donc ensuite, important aussi, on va créer un solide tout noir qu'on va appeler background BG, enfin vous l'appelez ou vous le donnez ou pas, c'est juste histoire de vous organiser. Donc ce solide à mettre tout en dessous est très important, c'est au niveau de la color correction, parce que sinon ça va faire bugger votre color correction et vous verrez ça rend très très moche, enfin vous verrez. Ne le faites pas quoi. Voilà, donc on se retrouve avec notre texte, ses particules machin bidule. C'est peut-être mieux de baisser la World Transform, ça dépend de votre intro. Ici je pense que 200 suffit, voire 100. Non, 250 c'est bien. 200, voilà. Donc voilà, ça rend très très bien, enfin très très bien. Ça rend pas mal. Donc voilà,
Donc on a fini avec les particules. Éventuellement, sur la smoke, si vous voulez, vous pouvez rajouter directement une CC pour faire une double color correction. Il vous faudra pour les CC Regen Color Suite Lux. Normalement que j'ai aussi fait un tuto dessus. Et vous pouvez mettre votre CC directement. Nous on va prendre juste une CC comme ça. Donc vous pouvez trouver des CC bien sûr un peu partout sur YouTube. Est-ce qu'il a appliqué la CC cette fois? Impression. Elle fait que c'est pas trop ça. On va mettre une un peu plus prononcée comme celle-ci. C'est pas grave. On va remettre l'ancienne. Donc oui, moi j'ai tissé celle de Black Star. J'en ai d'autres ici, mais vraiment pas ouf. Et donc je tisse celle de Black Star. Voilà, bon, on refera une autre CC après. Ensuite, bah justement, la CC, on va la faire maintenant. Vous faites un nouveau adjustment layer, je sais plus, un calque d'effet, voilà, enfin, c'est la version anglaise. Et puis, tout simplement, bah, on va remettre Lux pour la CC. Et donc là, vous choisissez une CC. Du coup, on verra pour la CC après. On va directement faire la sync. Oula, par contre, c'est un peu bizarre. Donc, on va juste remettre, juste réajuster les particules. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, on va remettre le scale en fait à 500. Voilà, histoire que ça agrandisse. On va mettre 30. Voilà. Ici on va mettre 5. Parfait. Voilà, c'est pas trop. Il n'y a pas trop de particules. Il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Bien évidemment, c'est à vous de doser. Hein. Vous cherchez comme vous. Enfin, vous cherchez si vous convient. Ça va de soi. Donc bon, on va cacher tout ça. Donc vous prenez tout et vous cliquez sur l'œil. Hop, tout est caché. Et on va directement faire le calque d'effet qui va servir pour la sync. Donc voilà, donc on va commencer par mettre de la géométrie qui se trouve dans distorsion. Vous tapez géométrie, vous tapez ici, donc en anglais c'est transform, voilà, et en français c'est géométrie, comme ceci. Voilà, vous trouverez, c'est pas compliqué. Donc ensuite je vais juste passer un petit moment le temps de mettre des clés sur ma musique, et puis je vous retrouve tout de suite. Donc c'est ce que je vous conseille de faire hein, pour savoir où vous mettez des bumps. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai mis mes clés, par contre je les ai pas mis sur le bon cadre, donc c'est pas grave, tant qu'on les a c'est bon. Donc géométrie, voilà, vous mettez une clé cassant à votre drop. Donc tout simplement on va appuyer sur U pour afficher toutes nos clés. Donc là actuellement on n'en a qu'une. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller suivant votre musique un nombre de frames plus tard. Donc avec celle-ci on va aller 5 frames plus tard. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on va le mettre par exemple à 130. C'est bien 130. Et ensuite, simplement, ce que vous avez à faire, c'est prendre ces deux clés. Vous faites CTRL C ou commande C pour copier ces clés. Et vous allez à chaque marqueur, voilà. Et vous les collez. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de vous compliquer la tête. Ça rend très bien. Hein. Vous voyez ce que je fais. Moi, ça rentre très bien. Enfin, très bien. C'est pas moche quoi. Pour débuter c'est bien. Voilà. Parce que je sais pas comment il y en a qui font leur sync au début. Je sais plus comment moi je faisais les miennes. Mais tout ce que je sais, c'est que je me compliquais bien la tête. Voilà. Donc on est à 0. On va faire
un petit rendu. Hop là. Vous allez voir. C'est un peu molle. Donc bien sûr c'est pas fini, hein. C'est juste pour vous montrer vite fait ce que ça donne. Je sais pas si ça va durer très longtemps ou pas. Ça doit faire quand même déjà une bonne quinzaine de minutes que je recorde. Mais bon. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va baisser parce que c'est un peu lent. Donc on va le mettre tout simplement à 1, ça va faire un peu brusque, mais on va le mettre à 3. On va le mettre à 3, ça fera un peu moins lent et un peu moins brusque. Voilà. On va tout simplement supprimer carrément toutes les autres clés, ça sera beaucoup plus simple. C'est un peu fastidieux comme méthode, c'est vrai, mais ça marche bien. Également, si vous avez une musique compliquée à sync, c'est à vous de vous débrouiller, quoi. Je peux pas trop vous aider. Vous devez écouter votre musique autant de fois qu'il le faut, hein. Mais trouver les bons endroits, bon moi c'est pas forcément les bons endroits, mais pour le tuto on va faire un truc simple. Sachant que cette musique je ne l'utilise pas pour mes sync car je l'aime pas vraiment. Enfin j'arrive pas à sync des trucs. J'arrive à sync, mais c'est des syncs comme ça, quoi. C'est des trucs répétitifs et tout. Donc voilà, bon, on va pas faire de pré-rendu cette fois. Le pré-rendu, oui. On va passer directement au second effet. Donc vous allez dans Effect ou Effect and Preset ici. Et vous allez dans Sapphire Distort et vous prenez S-Shake. Voilà, donc vous avez votre petit S-Shake. Donc, alors, ce que vous pouvez toucher dans S-Shake, déjà l'amplitude. On va y toucher, ça je vais vous montrer. La fréquence, vous pouvez la changer, nous dans ce cas là on va la changer, on va la laisser à 8 en fait. Et c'est très bien. Et vous pouvez essayer de toucher au X, Y, Z shake au niveau de l'amplitude. Donc nous on va les laisser comme ça. Faut pas faire un peu compliqué. On va quand même baisser ici à 6. Pour que ce soit pas trop violent. Boom, amplitude. Donc vous mettez drop bien sûr. Amplitude, une clé à 0. 3 frames plus tard. Et boom. Allez. Et voilà, donc on recopie-colle ça partout. Donc là pour l'instant on fait juste les bumps. Hein. On fait rien de très compliqué. Après bien sûr pour la partie After Effects, le plus dur c'est de trouver qu'est-ce que vous voulez faire avec votre musique. Enfin quels effets vous voulez mettre. Le plus dur aussi c'est de trouver de nouvelles choses. Des fois ça vient tout seul, comme le style que j'ai trouvé. Le style, bien comme ça. Et puis des fois vous avez du mal, mais dans ce cas-là autant faire un truc simple, hein, vraiment pas trop compliqué, vous prenez pas la tête. Donc on va refaire un petit pré-rendu et vous verrez que ça rend beaucoup mieux avec le shake. Voilà, rien que comme ça vous le voyez, hein. C'est la base, hein, le shake. Bon, ça a pas tout rendu je crois, ça a pas trop voulu, bon bref. Donc voilà, donc on a mis un petit S-Shake. Également, on va faire un truc. On va rajouter un petit Trap Code Shine. C'est optionnel. Hein, après, vous rajoutez tout ce que vous voulez. En plus du Transform et du S-Shake. Mais nous, on va rajouter un petit Trap Code Shine. Hop, donc ici, on va mettre Transfer Mode Add. Voilà. Et dans les coloris, vous choisissez ce que vous voulez. Donc nous, on a du violet. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Aura. Un truc pas trop prononcé, Spirit. Spirit, c'est mieux. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va uniquement l'appliquer. On va dupliquer notre... nos frames. On va appeler ça Shine.
Et on va remettre notre propre code Shine. Transfer mode. Add. Wavelength. On va mettre pour l'instant 0,5. Vous comprendrez après pourquoi. Colorize. On va remettre Spirit. C'était lui. Ouais. Ceci, on n'a pas trop besoin d'y toucher. Et donc le reste, ben, on peut laisser comme ça. On va juste le mettre à 0,7. On va voir avec la CC si on le voit pas. Avec la CC, on le voit, donc c'est bon. Donc on va le garder de base à 0,7. Vous pouvez le mettre à 0 si vous préférez, mais moi je préfère le mettre à 0,7. On va tout simplement le mettre par exemple à 2. Un truc pas trop fort, juste histoire de rendre la chose plus sympa, mais vraiment pas trop prononcé, parce que ça pourrait rendre quelque chose de totalement différent de ce que moi je vois. Bien sûr, hein, tout, comme je vous l'ai dit, tout dépend de vous. Donc bah, si vous trouvez que ça rend beau, bah écoutez, faites des tests, et voilà. C'est faut faire comme ça dans les intros, quand on bosse dans les intros, faut essayer de tester de nouvelles choses. Des fois ça marche pas, mais on n'y peut rien. Enfin, si on peut quelque chose, mais il faut essayer de persévérer, voilà. C'est pour ça que j'aime faire des intros, c'est que à chaque fois c'est différent. Enfin, voilà, j'essaie de trouver quelque chose d'à chaque fois différent. Et je trouve ça passionnant. Allez, coup de ma vie. Donc on va le mettre au début à 0. Donc voilà, donc on a mis un petit shine tranquillement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On va mettre un petit Twitch. C'est cool, Twitch. Donc voilà. Donc tout de suite, on va modifier ça à 50. On va mettre ça à 0. On va s'occuper du reste plus tard. Hein. Donc voilà, une clé à 0 à Amount à votre drop. Hop. Et vous mettez ceci à 10. Voilà. Voilà, voilà. Hop, vous recollez tous les bordels. Donc, ce qu'on va faire avec Twitch, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est Twitch, c'est encore un plugin externe. Malheureusement. Mais Twitch va nous servir à rendre un petit peu plus glitchy cette intro. Avec un peu plus de blur. De blur, hein, pas de blur. Je crois que c'est comme ça, ouais. Blur Uncharted, ouais. Donc voilà. Hop, on met bien évidemment 0 à la fin. Donc voilà, donc vous avez placé vos clés de Twitch. Ensuite, on va aller dans Enable et on va mettre a Slide. Voilà. Et ensuite, on va aller dans Opérateur Control Slide et donc vous pouvez essayer de changer Slide Spread. On va laisser ça 1 tout ça. On va mettre un petit RGB Split, c'est pour que les slides soient un peu colorés. Donc nous on va les mettre vers 25. Et le motion blur, on va le laisser comme ça. Et puis le reste, bah, c'est très bien. Voilà. Allez, c'est comme ça. Donc voilà, on avance tranquillement. Et je pense qu'on va rajouter un dernier petit effet. On va mettre un non blur et sharpen. Vous allez mettre un petit radial blur. C'est stylé. Donc hop. Ah non, j'ai oublié un effet. Donc vous allez mettre à 0 et comme d'hab. 3 frames plus tard à 10. Donc. Quoique 10 c'est peut-être pas assez. On va peut-être l'augmenter 25. Je pense que ça a l'air un peu beaucoup quand même. Non, on va le mettre toujours à 15. C'est mieux. C'est pas trop non plus. J'espère. Ouais, 15 ça suffira. Hop, ensuite on va le mettre à 0. Voilà. Et on va copier-coller cet effet. Oui, ça marche de copier-coller un effet. Alors, s'il veut bien.
Mince, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de frame. On va juste les décaler ici. Bon, du coup, c'est pas grave. On va refaire Radial Blue. Hop, on va mettre Amount 0. Hop là. Ici, par contre, on va le mettre. Bon, on va le mettre à 10 aussi. Voilà. Enfin, je suis trompé de frame. On va la décaler après. Ici, on va mettre à 0. Donc, si mon After Effects est lent. C'est normal, c'est parce que je me le rendu en fou et du coup ça prend plus de temps, donc du coup on va le mettre en quarter de temps de terminer ce qu'on fait. Hop, on va décaler la frame. Voilà, donc ça va faire un petit truc. On va cette fois juste changer par zoom au lieu de spin. Et challenge, on va le laisser à l'eau parce que enfin c'est la déchet. Voilà. Donc voilà, on a deux radial blur, ça rend sympa. Et pour le dernier effet, on va mettre un petit distorté, ça s'appelle compensation optique. C'est cool. Voilà, compensation optique ou optique compensation en anglais. Donc vous appuyez sur reverse. Horizontal vous laissez, optimize vous laissez. Donc ici on va se mettre à 120, non, 130, voilà, vous mettez une clé, vous allez à votre prochaine frame, vous la mettez à 0, et on va reculer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, on va dire 25 frames et vous le remettez à 0. Voilà, donc normalement ça devrait rendre pas mal. On va faire un petit rendu vite fait, bien fait. Ah, ok, donc j'ai mon problème. Donc si aussi ça vous arrive, donc ce genre de truc, donc preview needs 2 or more frames to playback, vous pouvez essayer soit d'aller dans edit. Purge et All Memory, soit d'aller dans votre projet et de rajouter 2 frames. Donc là on va en rajouter pas 2, simplement on est à 1, 24, 3. Hop, voilà. Donc moi évidemment ça ne marche pas. Pardon, excusez-moi, c'était pas prévu. Donc je vous conseille de faire le jeu. Ok, d'accord, merci. Ok, ça va rendre que 2 frames. On va essayer de, donc pour rendre votre rendu plus rapide, essayez de mettre d'accord, ok, donc en fait ça veut vraiment pas. Donc on... écoutez, on va y aller comme ça. Donc hop. Donc vous voyez, on a un petit, un espèce de zoom, très très simple. Voilà, on a no bump, avec vite fait on le voit le Twitch. Hein. Aussi petit dernier réglage, on va quand même activer dans le shake le motion blur. Hop, voilà. Et puis bah voilà, bah enfin on a fini. Voilà, bah c'était simple. Hein. Bon, j'ai pas mis beaucoup d'effets. Si, je vais mettre un dernier effet pour le LOL. On va mettre un petit changement de couleur ici, donc pour changer de couleur. Comme ça vous aurez un peu tout appris. Pour changer de couleur, vous allez dans Color Correction et Hue slash Saturation. Bien sûr, il y a le Hue slash Saturation de Saphir qui se situe ici. Mais celui-là, celui que j'utilise, tout le monde l'a au moins et je le trouve plus facile.
Donc voilà, donc vous mettez une clé, vous allez soit une, soit trois frames plus tard, nous on va le faire trois, histoire qu'on voit vite fait la transition, et on va mettre un rouge, je sais pas. Si on va mettre un rouge, sachant que ou un vert, aussi un vert. Donc on va mettre un vert, un beau vert. Je vais mettre à 260, c'est mieux que 270 peut-être. Non, ça se rapproche du bleu. 250. Voilà. Un vert comme ça, on va le mettre en full. Pardon. Donc je disais, on va le mettre ce vert en full. Voilà, ça rend comme ça à peu près. Donc c'est pas trop mauvais. Hop. Et ça rend ça. Donc voilà, donc ça rend sympa. Et on va juste rajouter une petite shockwave parce que c'est stylé. Une très jolie shockwave. Donc les shockwaves, vous pouvez les chercher sur YouTube aussi également. Voilà. Bon, pour le shockwave, je voulais chercher sur YouTube, hein. Il y en a plein. Faut juste savoir les choisir. Moi, bien évidemment, j'ai mon stock de shockwave. Ah! Oui, bah, vu que nous, on a un peu une longue transition. Ouais. Allez, on va faire comme ça. Vu que nous, on a une longue transition, on va aller dans Shake, on va mettre une clé à Z10 à la drop. On va aller tout au début de la musique et on va mettre Z10 à 10. C'est bien ou pas? Non, 5. 5, voilà. 5, c'est mieux. Voilà. Avec le Z10 à 5, c'est pas trop, je pense. J'espère. Ouais, ça rend bien. Voilà, donc on va laisser les Z10 comme ceci. Et donc voilà, donc là en soi on a fini, hein, on a tout mis, sauf les shockwave que je vais rajouter. Donc pour rajouter une shockwave ou une musique ou n'importe quoi, vous allez ici clic droit, import et file. Donc je vous l'ai déjà montré, il me semble, la partie 1 brièvement. Donc vous allez chercher vos shockwave, les miennes, voilà, elles sont là-dedans. Donc nous, quoi, enfin moi, ce que je vais prendre, c'est petite shockwave. Alors vous savez quoi, j'allais choisir une shockwave. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai choisi mes shockwave. Donc je vais en mettre deux, mais ils seront combinés, on va dire. C'est juste pour rendre la chose un peu plus belle. Hop, donc on va mettre donc les shockwave, où elles se mettent tout simplement juste en dessous du texte et juste au-dessus des particules et de la smoke. Hop, donc pour essayer de bien le mettre, vous faites shift et voilà, ça va vous aider à bien placer vos shockwave. Donc on va juste baisser ceci à quarter parce qu'on prend un peu cher. Hop, donc voilà, donc vous voyez, boum, deux shockwave, et on va mettre l'une d'elles. On va mettre par exemple celle-ci. Alors oui, important aussi, bien sûr, vous prenez vos deux shockwave et dans mode d'édition ici qui va se trouver là, vous mettez là c'est le parent, qu'est-ce que je raconte, vous activez toggle switches slash mode et ici vous mettez Alice, voilà, comme ça c'est bon. Et cette fois, attendez, parce que on va désactiver notre calque d'effet, comme ça ça mettra beaucoup moins de temps à rendre. Voilà, déjà mieux. Désactiver le shine aussi, on réactivera après, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut désactiver encore? Bah c'est tout, je suppose. Oui, c'est tout. Voilà, donc on va prendre l'un des deux, on va prendre par exemple la 3. Hop, la 3, on va la prendre
pour appliquer une couleur à un truc blanc, vous mettez color correction, change to color. Donc pas sur ma technique, hein. Après si vous utilisez quelque chose de différent, bah, c'est très bien. Hop, vous mettez votre couleur désirée. Et là vous mettez hue and saturation au lieu de hue tout seul. Et voilà, vous voyez, ça a coloré. Et bien sûr pour le style, parce que sinon c'est pas drôle, vous allez sélectionner ces deux là, toggle switches and mode. Et vous voyez ce petit cube, donc c'est 3D layers, ça, c'est pour que la caméra affecte ces calques, on va les appeler comme ça. Et bah tout simplement on va activer le 3D layer. Et vous voyez, bon ça fait un truc un peu bizarre. On va transform. On va, vous savez quoi, on va les déplacer à la main. Donc sélectionnez bien les deux. Hop. Et donc, on déplace ça à la main. Comme ça. Voilà. Et on va très vite les tourner histoire que ça rende quelque chose de bien. Donc normalement si je me trompe pas c'est X rotation. Non. Voilà. C'est la rotation. Sous quelle rotation? Là, celle-là. Rotation Y. Hop. Là normalement vous verrez ça suivra la caméra et je pense que je l'ai bien mise, enfin je les ai bien mises. Voilà, donc ce tuto est terminé, il nous reste plus qu'à faire le rendu. Hop. Donc vous prenez tout et vous les remettez visuel. Ouais, toujours notre petite smoke qui rend bizarre. C'est pas grave. Non, quand même, la smoke quand même, rend beaucoup trop bizarre. Je vais aller choisir une CC, je reviens. Bon, donc voilà, donc ce que je fais, c'est que j'ai tout simplement changé de CC principal et j'ai enlevé la CC sur la smoke parce que ça ne changeait rien du tout. Donc du coup, voilà, ça rend un truc un peu plus darky, j'ai l'impression, mais c'est pas plus mal parce qu'on est des fous, on va carrément mettre une double CC même. Allez hop, color correction. Non, pardon, qu'est-ce que je fais? Hop, looks, on va en mettre une deuxième. On va faire un truc plus magique, un truc un peu moins. Ça c'est par exemple, voilà, et pas du tout, c'est très très moche. Voilà, oulala, on va peut-être mettre ça. Je pense, ouais, ça rend bien quand même. Voilà, donc bien sûr, c'est toujours à vous de chercher ce que vous voulez mettre, hein, tous les points de vue. Donc voilà, donc nous on a un truc qui rend pas mal. Donc tout simplement, ce qu'il vous reste à faire, donc vous sélectionnez tout ceci, composition, ajouter à la fiche de rendu. Donc dans les best settings, vous ne touchez à rien. Dans l'output module, moi je mets MP4. Donc pour MP4 c'est H264. Donc je vous conseille de mettre un PK d'ailleurs. Si vous pouvez le lire, mettez-le. Et tout simplement output tout. Donc c'est là où vous allez mettre votre intro. Donc nous on va les mettre dans intro, voilà. Non. On va les mettre dans le dossier du tuto. Donc j'ai pas dit, mais pensez à faire des sous-cartes régulièrement. Des fois votre logiciel After Effects peut crash en plein milieu. Par exemple d'un rendu ou quand vous rajoutez un effet un peu trop lourd et que
votre PC ne supporte pas, ça peut crash. Voilà. Enfin, ça peut freeze surtout. Ou pendant un rendu, des fois, vous avez mal mis des valeurs. C'est par exemple le cas avec un RSMB, c'est un plugin pour le floutage. Et je l'utilisais mal avant et ça me faisait crash mon rendu. Donc n'hésitez pas à faire des sauvegardes un peu tout le temps quand vous avez fini de mettre vos clés. Donc voilà, donc nous on va l'appeler rendu tuto VFX tout simplement. Donc voilà, enregistrer et vous cliquez sur render. Donc nous on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a servi. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos sur After Effects et Cinema 4D. Moi j'aime bien faire ça, donc si vous en voulez, voilà, je ferai à la mesure du possible tant que c'est pas trop personnel. Enfin voilà, dans le VFX chacun a un peu son style, donc d'inviter de le donner à tout le monde. Mais voilà, allez, à la prochaine les gens, et je vous mets le rendu en fin de vidéo. Allez, ciao, bye bye.